Allez, salut les chauffeurs du lundi, on est de retour sur American Truck Simulator, bien entendu, je dis « on » bien entendu parce que Marcus est là, salut Marcus. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que c'est reparti pour une série. Ah ouais, qu'allons-nous faire aujourd'hui, monsieur Capman? Ah, on a plein de choses à faire, plein de choses Qu'est-ce à faire. Qu'est-ce qu'on fait, chef? On a déjà, ça c'est bien, on s'est dégoupillé, on a fini les livraisons de Bordmer, vous avez vu ça la semaine dernière, ça a été la péripétie, c'était compliqué. Mais bon, on va rester encore dans le Texas pour aujourd'hui. On va aussi, alors pour ma part, aller... finir un petit succès sur le nombre de villes découvertes, il m'en manque une, hein. Donc aujourd'hui nous le voyons à partir de Texas ici, pour aller à Texarkana, ça veut dire, alors je vais vous mettre un petit peu la carte, voilà, on part d'ici, alors vous voyez que Marcus est en train de se rapprocher, et puis on va partir en direction l'est, voilà, ici pour livrer chez Taylor, on va livrer de la peinture, hein, tranquille, peinture, hein. De la bonne peinture qui tient bien au mur, hein, ce sera pas mal. Et puis, bah, comme on est dans le Texas, on va commencer aussi plus ou moins à taper du coton, puisqu'il y a quelques success teams sur le coton, monsieur Marcus. Peut-être que tu l'as déjà fait, ça, non? C'est possible, j'en ai fait un ou deux comme ci, comme ça, mais je m'en souviens pas. Mais j'ai ouais, pas, alors je crois qu'il y en a à peu près une dizaine à faire, hein, donc on a ouais, un petit d'accord. peu de marche. On verra si on trouve justement ouais, ce type de livraison, hein, ça, ouais. ça va être un petit peu. Et puis surtout, on va être vigilant en se dirigeant à l'est. Souvenez-vous, on a aussi des succès historiques hein, pour le Texas. Ça, c'est important dès que vous voyez un petit panneau marron. Bien vous arrêter, donc en plus bah, vous doutez bien qu'on va pas vous faire un épisode de jour, hein, on n'est pas fou hein. Non, ouais. La donc, nuit on voit moins nos bêtises comme ça. Voilà, donc on va démarrer un petit peu de nuit, mais il fera vite jour normalement. Allez, on va regarder un petit peu où en est Marcus. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, je suis en train d'arriver, je suis derrière toi. Qu'est-ce que... Comment ça t'es derrière moi? Bah, je suis derrière toi. Bah, je suis à côté de toi. Je te vois... Ah, mais je te vois pas sur ma carte, je te vois pas sur ma carte. Je suis en train de passer en face là, je viens de punir une voiture, et je vais récupérer la marchandise. Oh bah écoute, j'ai rien dit, sur ma carte tu étais beaucoup plus loin que moi, effectivement. T'étais vers un garage, mais c'est pas grave, pas de soucis. Et là, c'est bon, je suis devant l'entreprise là Bah oui, je te vois derrière, bah, effectivement. Donc allez, bah moi j'avais déjà récupéré tout ça, hop, on va enlever les warnings, on est prêt à partir, c'est bon de ton côté? Oui, je vais atteler là. Eh ben allez, on est parti. Oh, il fait pas si nuit que ça. Le ciel est bon. Non, ça se lève, ça y est, c'est nickel. Ça devrait le faire. Allez, on vous met la double. Hop, allez. Pourquoi vous avez un super accent de vendeur de peinture, monsieur Capman? Ah, exactement, tes gars. Moi, tout dans le rouleau, tout dans le pinceau. Allez, let's go, on y va. Normalement, ça devrait pas nous prendre trop longtemps, logiquement. Et puis, une fois qu'on sera arrivé sur place, je crois que Marcus nous réserve une petite surprise. Ouais, bah déjà, il faudrait que j'arrive à sortir du machin sans me prendre le... Ah, bon, bah déjà, oui. Ah, il faut prendre plus large, monsieur. Bah ouais, je suis très large. Allez, ça va me permettre moi de pas mal jaunifier aussi un petit peu le Texas. C'est pas des endroits où j'ai bien roulé. Oh, qu'ils sont beaux ces pneumatiques. Magnifique. Ah oui, camion bleu là, vous voyez. C'est beau. Oh là là. Eh ben voilà, monsieur. Eh oui, on tourne à gauche, on est à droite. je peux pas tout faire, regardez mon camion, mais... Regardez où je vais. Pourquoi mon camion il avance tout seul? Ah bah elle est pas mal celle-ci. Bon, j'ai pas trop compris. Je faisais marche arrière, il a avancé, j'ai poussé quelqu'un. C'est pas grave.
Allez, let's go. Hop, ouais, le jour est là. Je dis des bêtises, c'est pas la nuit. Pas tout de suite. Impeccable. Pour une fois. On va C'est profiter vrai. un peu du paysage. Ah bon, on verra mieux les historiques, hein, s'il y a besoin. C'est déjà pas mal. Alors, je pense qu'on n'en aura pas trop à Dallas pour l'instant. Aucune idée, j'avoue que je Ouais, l'ai. faut être vraiment attentif, pas les Ouais, je louper. j'y regarde pas, j'arrive à en faire parce que je jaunifie. Je dis, oh, il y en avait un, tiens, merci. Ouais, et puis vous savez, en plus, ça c'est la complexité ou la défaillance ou le défaut de Steam, c'est que ça vous les comptabilise, mais vous savez pas vraiment lesquels vous avez fait, ça c'est un petit peu dommage. On sait pas où on en est. Ouais. Alors sachez qu'il existe bah, sur Steam hein, une petite page web hein, où un gars recense un petit peu ce qui est possible, hein, c'est ça, hein, Marcus? En fait, c'est même pas sur Steam, c'est sur Internet. Ah, J'ai c'est sur trouvé Internet ouais, qu'un directement, ouais. gars a fait un peu plus de détails sur les succès, donc ça aide quand même bien. Hein. Du coup, c'est comme ça que je savais qu'il y en avait deux à tel endroit, etc. pour le truc de la mer. Bah, sinon, lesquels j'avais fait, j'avais pas fait, impossible à Ça, c'est savoir. cool, ouais, c'est pas évident. Allez, on fait un petit coucou à la baronne, elle nous a laissé un petit message sur la dernière vidéo, elle nous a salué. Bon, on la salue en retour, Madame la Voilà, salut en baronne. retour, coucou Madame la Baronne. Bien le J'espère que tout va bonjour bien. dans votre pays. Dans votre champ. Votre campagne. Allez, hop, on va prendre à droite. Direction le Istar. J'ai pas mal regardé et il y a des camions avec des super peintures, des super trucs. Ils sont pas mal ces modes. Hein. C'est Ah, franchement sur le mode des Jay-Z 4, ouais, ah, effectivement. Moi, c'est j'aime bien franchement en tout sympa. Hein. cas. Puis, quelle que soit la version du jeu, t'as pas besoin d'en reprendre des nouveaux. Donc, ça, c'est aussi un gros avantage. Souvent, les modes, bah, quand il y a des mises à jour du jeu, bah, il faut un certain temps pour qu'eux mettent à jour leur mode. Alors que là, au niveau du trafic, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est quand même agréable. C'est clair, hein, c'est Même si on joli. a du mal à en faire tourner certains. Puisqu'on a du mal Alors, avec le mode des bus, des ouais, ça veut bus, pas faire. ça veut pas faire, pourtant dans les mêmes versions, On a on la les a mis même dans le mémoire. version, on l'a mis au même endroit et ça nous met que c'est incompatible. Et là, Ouais. c'est, on ne sait pas pourquoi. Alors que les autres fonctionnent très Alors que très d'autres bien. fonctionnent très bien. Bizarre, C'est bizarre, bizarre. clair. Oula, petit soleil dans les yeux là, quasiment, à faire sortir les lunettes de soleil. Je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de panneaux marrons hein, sur l'autoroute. C'est des jus d'orange que tu transportes, non? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu tangues vachement. Ah, je tangue. Ouh là là, ça c'est pour les vieux, ça, le tangue. Écoute, hein. Quelle Madame la référence! Baronne, à la référence, je Ah, la pense. référence à la baronne, effectivement. Mais tu sais que moi je suis à zéro de stabilité, donc c'est pour ça. Ouais, mais c'est de vue de derrière, c'est quelque chose, hein. Ah, bah attends, j'ai de la prise au vent. Hein. Et des peintures, c'est lourd. Ouais, mais le centre de gravité est vachement haut quand même. Oui, puis bon, on est quand même à 80, plus de 80 miles. Hein, donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ne vrai. l'oublions pas. C'est vrai que ça va vite. C'est quoi? C'est des détritus de poubelles sur la gauche. Je sais pas si tu vas le passer au niveau du pont, toi aussi. Je sais pas si t'as fait gaffe. Il y avait plein de Non, j'ai pas fait déchets, il y attention. avait plein de déchets, il me semble. Ah ouais? Ouais, c'était bizarre. Ça, ils font des routes parallèles, mais on se demande quoi ça sert. Ouais, je sais Ils pas. foutent des machins de repos là, juste pour ça. Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas. Ils pensent pas à ces gens qui veulent jaunifier tranquillou. Ouais, ou alors ils avaient trop de goudron bitume, ils ont dit tiens, si on en faisait un peu à Ouais. côté. Ou les vieux qui veulent rouler doucement, je sais pas.
Alors, oula, qu'est-ce qui se passe? Ils vont entrer. Oh putain, poste de pesée. Merde, je dois m'arrêter à la pesée. Allez, moi aussi. Allez là. Hop là. Bon, je pense qu'il va me dire que peut-être mon camion est pas en forme. Si, non, j'ai réparé, donc je ne dois pas avoir de soucis. Normalement, tout va bien. Ouais. Alors, VetCube n'est pas dans un parfait état, hein. C'est bon, allez. Pas exagéré non plus. Je te jure, ils se permettent des trucs. Ah, mais m'en parle pas. C'est étonnant puisqu'on sort pas de l'état non plus, qu'on soit à la pesée. J'ai toujours du mal à comprendre ces histoires oui. De pesée, moi. Ben, je sais pas non plus parce que dans l'Oklahoma, quand on a fait notre escapade, on n'a pas eu de pesée. Ouais. Et là, au milieu du Texas, on a une pesée. C'est bizarre. Je sais pas. Bonne question. Tu vois. Est-ce qu'il y a une route qui part sur la droite là-bas qui sort de l'état? Bon, ils l'ont pas fait parce que je sais pas. Ouais, c'est possible. Tiens, regarde, s'il n'y a pas de détritus sous le pont, là, tu verras. Tu passeras sur ta gauche. Ouais. Tu vas arriver au pont là. Au sol. Oh, une Golf GTI, enfin une Golf 1. Trop fun. Ouais, il y avait des papiers par terre. T'as vu les papiers, t'as vu? Ouais. Bon, ils voulaient faire la course avec toi la semaine dernière. Bah ouais, dis donc, ils sont en forme. Ah, est-ce que j'ai besoin de carburant, moi, ouais. Sur Boston. Je vais être obligé de m'arrêter pour me reposer, je pense. Ah, là, bon. Bah écoute, ouais, on peut se reposer là, ça permettra de jouer. Ah, bah là, il reste que 47 minutes de marche. Non, c'est bon. On est quasiment arrivé. Bon, bah allez, on continue alors. On va reprendre de la vitesse. Alors que Marcus arrive plein pot. Bien sûr, monsieur, quand on a une remorque stable, on fait le malin. J'avoue que c'est moins compliqué. Ah bah la police en plus. Bravo, monsieur. J'ai toujours du mal à me rabattre. Hein. Ah bah oui, bah alors là, c'est vraiment plus que du mal. Hein. Tu l'as pris quasiment de devant. Hein. Allez, on va sortir. On arrive. On n'a pas le choix. Bon, bah, impeccable. D'accord.
profiter moi pour aller au garage en sortant. Ouais, pareil. Je vais dormir un coup. Ouais. Réparer aussi. Tu parles au garage, c'est le. D'accord, c'est le garage ici. Ouais. Bah, le truc pas loin là, de réparation. Ouais, d'accord. Moi je pensais que c'était le garage pour se reposer. Ah, bah tu peux aussi te. Ah, oui, mais c'est. Oui, non, il n'y a pas de repos d'ailleurs. Tu as raison. Oula, qu'est-ce qu'ils construisent là, dis donc, petit quartier résidentiel en construction. Allez, on va attendre que Marcus enlève cette remorque. Voilà, nickel. On va le laisser s'avancer un petit peu, qu'on lui rentre pas dedans. Parfait, merci Marcus. Allez, on dételle. Bon travail, pourquoi ? Les câbles. Pénalité de dégâts. Ah bon? Bah merde, alors je sais quoi. Bah je sais pas. Non, ça va pas cogner l'un à l'autre. Bah oui. Mais ça doit être. Ah mais le mec, j'ai dû pousser au feu, je suis bête. Mais c'est sur la remorque. Bah non, je l'ai poussé de devant. Donc, techniquement. Mais des fois, c'est pas très logique leur truc, hein, franchement. Une fois, j'ai carrément explosé un camion sur le côté et tout. J'ai dû rayer tout le long. Il m'a compté quasiment rien en dégâts. Je crois. Tant mieux, hein. Bon. Ouais, ouais. Allez, on va réparer. Hop, allez, on répare un peu. Tac, parfait. Allez, on repart, on fait un petit peu de jaune. T'as été boire un café, c'est ça? Parce que moi, il faut que je mette un peu d'essence. Ouais, ça y est, aussi. C'est fait. Tu l'as bu au garage, c'est ça? Bah oui, j'avais acheté le garage. Donc t'as acheté le garage, ok. Mais ce Marcus, il a plein de sous aussi, c'est pour ça. Ah ouais, à force de rouler. Hein. Alors tu peux pas t'arrêter même s'il t'appartient pas? Bah non. Je crois que tu pouvais quand même faire la pause derrière moi, même si t'appartient pas. Ah, j'ai jamais essayé, j'avoue que j'ai jamais essayé. Hein. Parce que moi je crois que ça m'est arrivé de le faire comme ça. Alors je fais un petit peu le tour de la ville, voir s'il n'y a pas de quelques petits panneaux historiques, on sait jamais. J'ai toujours mes chocolats de Noël qu'on avait gagné, tu sais, avec le truc. Peut-être que je les vire, c'est pas mal. Ils doivent être tout fondus depuis le temps. Ah, tout fondu, ouais. Alors t'avais un petit truc à nous faire voir là, c'était dans le coin ou pas? Ouais, c'est dans le coin, c'est là où je suis. Alors attends, je vais te rejoindre alors. Vas-y, vas-y. Finir. À moins qu'ils aient corrigé la chose, mais normalement, bah alors là, je ne pense pas. Surprise, surprise. J'arrive. Thank you.
Je suis en train de jaunifier ces carrefours à la con là. Ouais, c'est horrible ces machins. J'aurais pu faire que ça soit au prix d'un bloc quoi. Ah ouais, c'est... Enfin, ça aurait été pratique. À chaque entrée, chaque sortie, il faut. Et puis les demi-tours et les machins. Ouais, exactement. Ça nous oblige à faire des choses pas très catholiques. Et eh d'où mon très fort score de sens, sens inverse, d'amende, d'accident, bah, machin. Bon. Même là, ça marche pas. Oh, yo, 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 yo. Alors, moi, je vais déjà mettre du fuel parce que j'ai besoin de fuel. Ouais, ça marche. Alors, c'est où le fuel? C'est par là. Bah, vu qu'on va peut-être changer d'état, il faudrait mieux mettre du fuel. Alors, normalement, on devrait pas. Parce qu'il faut qu'on livre au Texas. Mais bon, on va voir ça. Alors, hop, hop. Allez, je fais le plein. 3,41 de gallon. Ah, ça peut aller. Ça peut aller. Hein. Un peu moins cher que d'habitude. Ça va. D'habitude, c'est 3,46. Allez, ça c'est fait. La petite pause. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Hop, la petite pause. C'est où pas la petite pause? C'est par là. Hop, allez, le petit café qui va bien. Allez, c'est bon. Donc du coup, faut que je te rejoigne pour ta petite surprise, c'est ça? Voilà, tu te mets derrière moi et on part. Alors, attends, t'es où? Fais comme si tu prenais l'autoroute, en fait. Comme si je prenais l'autoroute. Ouais, comme si tu repartais sur l'autoroute. Alors, ok, là-bas. Donc je reprends l'autoroute, c'est par là. Putain, je... Ah, il m'a quand même compté un feu tricolore. Alors, t'es où? Tout droit, ok. Et là, t'es où? Ah ouais, je te vois ici. Parfait. Allez, je suis là. Nous allons prendre l'autoroute à l'envers. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu comme, nous fais comme faire? Comme quand on veut jaunifier, quoi. Et là, s'ils n'ont pas modifié leurs choses, on va pouvoir passer derrière les croix qui sont ici. Derrière les croix. Effectivement, il n'y a pas de mur invisible, ça passe. Ok. Et on va prendre l'autoroute. On va voir où c'est qu'on peut aller. Bon, putain, on va peut-être pas se le prendre dans la gueule, lui. Ah ! Non ! Non ! Je suis tombé du pont ! Tu m'as déglingué le camion. Je suis tombé du pont. Mais t'aurais pu le dire, ça s'arrêtait. Et tu m'as déglingué le camion. Oh monsieur dame, je suis mort. Je suis mort. On y retourne. Attends, oh non de Dieu, fais voir où c'est que je suis là. Je suis dans quelle posture? Oh punaise, regardez. Ah mon camion va peut-être se remettre debout. On va le laisser faire. Bah moi je peux pas être mode debout. Je suis en train de me faire remorquer et j'y retourne. Ah attends. Ah il va peut-être se mettre debout. Oh c'est cool. Allez, sois motivé pour un petit camion, mets-toi debout. Non, tu veux pas te mettre debout? Ben, remorquage. Ah, rien à faire. Bon, en tout cas, le camion est mort de chez mort, ça c'est sûr. Ah, il va peut-être se remettre debout. Je sais pas comment t'as fait. Ben, mais putain, mais je pensais pas que ça allait s'arrêter. Je verrai ça dans la vidéo et... Ben, en fait, j'étais percuté, du coup, ça m'a éjecté du pont. Je suis tombé sur le côté du pont. Je suis en bas, là, en fait, du pont. Et là, mon camion, j'ai l'impression qu'il va peut-être se remettre droit tout seul. Je vais le laisser faire. On rigole, pendant que Marcus est en train de recharger le truc. Ben ouais, du coup j'arrive. Ah, ça me coûte une fortune ton truc là. Je pense que ça va coûter une fortune. Ah, c'est pas fini. Hein. Ah ouais, c'est bon, il y en a encore? Ah ben. Super. Là encore, c'est un passage assez facile celui-là. Non, je pense qu'il se remettra pas sur ses bonnes roues. C'est bien dommage. Il descend le long du béton du pont. Allez les amis, je suis parti de là-haut, hein, ouais, je suis tombé, voilà, ici, et du coup, je suis beau, voilà. Ah. Allez, du coup, bah, j'ai pas bien le choix, hein, on va appeler l'assistance camion 100%. Oh, bah voilà, pec. Oh, peut-être faudrait pas que j'aille de l'autre côté.
Alors, est-ce qu'il avance encore? Bah, s'il avance encore, répare-le pas, c'est pas Ouh la peine. Je suis à 100%, mais il avance encore. Ah, ça va. Voilà, alors donc, parce qu'il y a un autre truc à faire là? Ah, bah, on a même pas commencé en fait. Comment ça, on a pas commencé? Ah, on a eu un accident qui nous a empêché de voir ce qu'il fallait voir. Ah merde, il y avait un truc à voir, alors il faut qu'on y retourne. Ah, bah oui, on y retourne là. Et là, on peut pas grimper là, non, c'est pas possible. On va repasser par là, tu prends l'autoroute, tu prends l'autoroute. Oh, ouais, cette fois, je vais me méfier quoi. Ah, on va essayer d'éviter les camions quoi. Là, on va passer derrière les petites croix jaunes. Ouais. Et on va continuer. On va voir c'est qu'on arrive jusqu'au bout. Hein. Mais pourquoi ça s'est arrêté alors? Bah parce qu'il y avait un camion qui arrivait. Moi, j'ai essayé d'éviter. Puis donc j'ai ah, mais tenu... tu t'es arrêté spécialement. Mais ah j'ai bah, cru que c'était là, le fin de la route. Je croyais que c'était le jeu qui nous là, arrêtait. Je me suis... j'ai... Ça m'a arrêté. Pourquoi ça m'a arrêté? Tu vois, regarde. Ah, ah, c'est un mur invisible là. Attends. Ah bah voilà. C'est un mur invisible ici. Ah, il y a un mur invisible sur le côté. D'accord, si tu restes sur la ah bande ouais, de radio, c'est il y a un voir. Mur invisible. Ah, les enfoirés. Ah bah c'est pour ça que je comprenais pas. C'est pour ça que ça m'a stoppé d'un coup, d'accord. Il y a un mur invisible sur la bande d'arrêt d'urgence après le pont là. Ah, oui, ah mais oui, après oui. Il n'y en a plus par contre. Donc là on est hors zone, là on est carrément dans la zone, bah, on est nulle part en fait. On est sur une route qui n'existe pas. Qui existe mais que normalement on peut pas prendre. Ok, et là on va arriver jusqu'où? Ah mon dieu, ça va bien s'arrêter quand même. Eh ben oui, ça va s'arrêter mais on va changer d'état. Non. Si tu regardes ta carte, on va passer dans l'Arkansas. Ok. Ah, oh, très sympa ton truc là. Ah ouais, on est dans le méandre. Dans le noir, on est dans le noir complet. On est dans le noir. Et là, on arrive en bout de machin. Bah, il y a la voilà, il y a la forêt. C'est super. C'est... Ah oui, d'accord. Donc, va ouais, on traverse la forêt. Non, tu peux pas traverser la forêt ici. Non, c'est vrai. Oh, magie. C'est Narnia, le monde magique de Narnia. Côté, y'a rien en fait. Allez, j'y vais, j'ai peur, j'ai la peur. La forêt plate. Oh putain, y'a plusieurs forêts là, oh mon dieu. On arrive avec zéro structure, y'a plus rien, toi. Y'a pas de structure, y'a pas de. Y'a le vide interstellaire, y'a. Oh putain. Alors faut surtout pas tomber parce qu'on tomberait dans. Ah bah non. D'accord. Tombe, t'as plus qu'à te. Mais y'a te... quand même la prévision des routes, au cas où. Ouais, ouais, y'a, voilà. Et tu peux aller jusqu'où là? Bah, je sais pas, on va. J'ai pas été plus loin moi. Donc, j'ose pas. Hein. Je sais pas si je vais à gauche ou à droite. Je vais à gauche, tu vas à droite. Allez, va à gauche, allez, moi je vais à droite. Moi je vais rester sur la route. Ah, dysfonctionnement. Non, c'est bon, c'est pas très grave, ça c'est juste le moteur. Là, faut faire gaffe de pas tomber, parce que c'est foutu. Tu tombes. Bah, alors qu'après, on pourra tomber pour voir ce que ça fait. Alors, généralement, tu ramasses pas mal. Alors, quand je tombe, moi je me téléporte aussi parce que. Bah, y'a rien à faire en fait. Et si tu regardes la carte. Bah, là, on est passé en fait dans l'Arkansas. Tu vois, on est dans. Alors, j'ai pas de la carte. Bah, on est dans l'état. Voilà. Ah, mais c'est rigolo, c'est qu'il y a quand même des routes de prévues, je pense, pour l'avenir. Voilà, là, ça a été Kansas. Là, c'est le Missouri. Oh, mais c'est le Nebraska sera ici, là. Ça sera le Nebraska, là. Ouais. La Dakota du Sud, Dakota du Nord. Et là, on est dans. Là, c'est l'Arkansas, ici, là. On est dans l'Arkansas. Mais l'Arkansas, ils sont déjà en train de bosser dessus. Je crois que c'est peut-être pour ça qu'il y a ça, non? Ah non, non, ils sont pas en train de bosser dessus. Puisqu'ils ont annoncé le Nebraska. Et puis après, ben. Peut-être Dakota du Sud, Dakota du Nord, je sais pas ce qu'ils vont faire. Bouge pas, je vais aller jeter un petit coup d'œil justement ouais. Sur les annonces, que je dis pas de bêtises. Mais là, on est rentré dans l'Arkansas. Californie, ah. Nebraska, Missouri, Californie, Arkansas. Voilà, Arkansas. Février, 28 février, Arkansas Truck Shop, ils ont déjà travaillé sur l'Arkansas. Ah, ils ont travaillé sur l'Arkansas. C'est tout pour ça qu'on a les routes, cher ami. C'est pour ça qu'on a des routes, mais enfin, on a des routes qui volent dans. Enfin, si on est au milieu du néant, là. Ouais, alors je continue. Putain, on peut aller jusqu'où, là? Je sais pas, on va voir. J'ai aucune idée. Alors voilà. Ouh, alors là, j'ai plus rien. Ouh là là, non, faut que je m'arrête. Ah, moi, j'ai plus rien. J'ai du noir après, c'est plus possible. Du noir après, d'accord. C'est plus possible, je vais être obligé de faire demi-tour et je pense que c'est la même chose sur la route qui est à côté, là. Je sais pas, toi de ton côté. Bien sûr, le moteur. Je sais pas où t'es en fait, je te vois pas. Là, enfin, je suis parti sur, plan, sur la gauche là. Ouais, sur la gauche. Bon, du coup, j'ai un peu du mal à redémarrer. Il y a une route qui part de l'autre côté qui te rejoint peut-être, je sais pas. Je vais continuer tout droit, je verrai bien.
Bon, toi, ça continue en tout cas. Ah ouais. Alors moi, ça s'arrête en tout cas. Je suis obligé j'ai de même revenir. Des champs maintenant. Il y a des champs là. Je suis obligé de revenir. Putain, mais t'as... Ah ouais, ouais. Alors là, j'étais arrivé par où? Je sais même pas par où je suis arrivé. En fait, je suis perdu là. Si je vais à droite, je pense que ça s'arrête là-bas. Je suis obligé de revenir là. Mais tu vas super loin toi non? Ben ouais, je sais pas où je suis là, j'ai jamais été aussi loin, je sais pas. Bon, en tout cas, vous le voyez, les amis, vous pouvez aller un petit peu dans l'Arkansas, c'est possible grâce à Marcus qui nous a trouvé ce petit passage assez rigolo, effectivement. Allez, bon allez, ben super, là-dessus. Ah, tu continues, mais à un moment donné, ça va bien s'arrêter. Ben là, j'arrive au bout de l'autoroute. Ah voilà, tu vois, c'est comme moi là, faire gaffe parce que tu plonges. J'ai plus rien. Voilà, donc là tu vas être obligé de faire demi-tour. Bon, eh ben allez, super. Alors on va voir la carte du manoir global vu que je suis arrêté. Est-ce que je peux ressortir? Vous pouvez, veuillez vous arrêter pour accéder à l'écran. Bah, ben, je suis arrêté, mon petit gars là. Ah. Oh, t'es à peine en mouvement et il veut pas. Ah non, mais c'est même pas une question de mouvement, je me pose la question. Ah, ici c'est bon. Alors, je vais regarder la carte, ici, carte du monde. Oh oui, effectivement, regardez, on est là, Marcus. Marcus explore l'Arkansas. Bon. Je peux aller encore plus loin. Hein. Allez, hop, du coup, on va se téléporter. On va appeler l'assistance, il n'y a pas grand chose à faire, là, vu l'état du camion. On va appeler l'assistance. Oui, ben, on ramène bien dans le bon état. Donc, on va réparer. Ah mais trop fun. Et là, je suis... Ah j'avais jamais vu un truc pareil moi. Ça, bah, ça continue encore, ça s'arrête pas. Donc je sais pas où je vais. T'arrêtes dans une limite, je sais pas. Il y a des routes de tous les côtés avec des trous partout, mais ça continue. Espèce de truc au milieu de la route là, je peux ouais, pas. Ouais je souvenir, vois, hein. Je vois ouais. Ouais ça traverse, bon moi bah, je traverse hein. C'est bah, écoute, chiffre diff ça en tout cas. Je sais pas où je vais. Bon, en tout cas, Marcus est parti en exploration, vous le voyez. Allez, moi je suis revenu au village, si j'ose dire. On va regarder si on a du coton à récupérer pour ça. J'ai même pas fait gaffe si j'avais validé mon truc de Steam. Tiens, voilà, il est tellement que je suis pris dans l'euphorie du truc. Alors... Ma d'éolienne, copeau de bois, j'ai l'impression que j'ai pas grand chose en coton ici dans le coin. On va essayer sur le contrat externe. Ouais. Avec un peu plus de chance. Je suis bête, si je tapais coton, ce serait plus simple. On n'a pas grand chose en coton, on n'a rien même en coton dans le bled. Alors, hop, on va prendre d'une manière générale. Allez, coton. Alors, qu'est-ce qu'on a? Égreneuse de coton, ben voilà. Ouais, mais j'aimerais que ce soit dans le Texas. Ouf. Là, ça fait des trajets super longs. On va essayer de trouver des plus simples. Là, je peux pas éplorer mon mur invisible, c'est la forêt. Allez, fibre de coton, mais ça c'est au Nouveau-Mexique, dans le Texas, chaud, si peut-être là. Charrue, non, c'est pas des charrues que je veux. Fibre de coton, Californie, oh là là, c'est qu'on a pas grand chose dans le Texas là. Tu essaies de le pousser graines dans le coton. Oui. Ah bah, Texas Amarillo. Ah bah, c'est pas mal ça. Hop, on va faire ça. Donc c'est Amarillo. Ah, si tu regardes mon écran, c'est pas mal. Ah ouais, mais je vois. T'as deux routes qui se croisent, du coup, les camions ils disparaissent. Exactement, on voit ça. C'est. Comment on appelle ça? C'est X-Files ici. Ah ouais, c'est.
Moi, je peux pas avancer, j'ai des humeurs invisibles. Ouais, alors, bouge pas. On va revenir par là. Putain, je me souviens plus, c'est que c'est San Antonio qu'il faut aller. Voyage rapide. Comment ça, mon camion, il est pas prêt pour un voyage rapide? Bah, il est peut-être cassé. Bah, je viens de le réparer. Et tout neuf. Bizarre. T'es sûr? Bah, oui, je suis sûr. Je sais pas ce qu'il faut. Maintenant, si j'y retourne... Ah, mais il est à 30%. Corrigé par... Putain, faut que je remplace tout. Il faut tout remplacer, là. Allez, on va tout remplacer. Voilà, la thune. Bon, voilà, c'est bon, là. Tu vas me laisser voyager, mon petit gars. Alors, on est reparti. Voyage rapide. Donc, j'ai dit San Antonio. On va aller voir ça normalement. J'espère que je ne suis pas planté sur le GPS. Allez, ça charge en tout cas. Mon collègue de la forêt au milieu de la route. Ouais, alors je pense que je suis pas très loin. Je sais pas où c'est qu'on va aller chercher les trucs là, d'ailleurs. On va regarder la carte, hein, parce que je suis un peu perdu. Allez, il faut aller à Mariscoton. Allez, on va aller vite fait là-bas. Je vais vite aller récupérer la cargaison pour que tu puisses la récupérer. Tu peux aller à San Antonio. Ouais. Ça commence, allez, bah, écoute, ils rentrent dedans, les mecs, c'est pas possible. Tu vas arriver à je sais pas où là, à un autre endroit. On va à Mariscoton, à San Antonio. Invisible. Allez, je me téléporte. On aura fait l'Arkansas avant tout le monde. Ouais, en avant-première, effectivement. Trop cool. Voilà, alors on vous a donné un avant-goût de ce qui peut vous attendre pour l'épisode 150, hein, donc soyez au rendez-vous. Hein. Voilà, c'est ça. Et il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses vraiment. Il y a des trucs vraiment top, sans déconner. Donc on ira de surprise en surprise. Alors que moi je vais de carambolage en carambolage, bien entendu. Aller récupérer cette cargaison, ça nous fera une livraison normalement pour la partie coton, logiquement. Nickel, comme ça je verrai si j'ai commencé ou pas sans savoir. J'avais peut-être fait un ou deux, mais alors lesquels, je sais pas. Et c'est quoi donc le détail du truc? Faut transporter pas mal de trucs coton là, entre les greneuses, les fibres de coton, les graines, et il y a 10 livraisons à faire, et ça doit se passer au Texas. Ah, ça se passe au Texas par contre. Mais il n'y a pas d'usine particulière? A priori non. A priori non. Bon. Allez, on va où déjà, pardon? Je t'ai dit quoi? San Antonio, Maris Coton, un truc comme ça. Marie Coton, je crois. Allez, je me téléporte à San Antonio. Ce qui n'est pas à côté par rapport au point de téléportation d'ailleurs. D'ailleurs, tu aurais le garage, oui. Tu serais plus proche, je pense. Eh ben, je vais aller au garage. Ouais. Tu gagneras du terrain. J'ai vu que tu étais à moitié à cheval entre Victoria et. Ouais, c'est ça en fait. Je me suis même posé la question s'il fallait pas se téléporter sur l'autre, parce que ça serait pas plus court. C'est pas grave, on a un camion qui trace en tout cas. C'est où qu'on va, entreprise? Mariscoton, Mariscoton normalement. C'est où ça, Mariscoton? Bah, plutôt sur côté ouest par rapport à San Antonio. Et un petit peu en bas. D'accord. Il me semble. Ah oui, ok, Mariscoton. Voilà. Ok, ça marche ici, ok, ça roule. Ouais, de Del Rio, c'est peut-être plus rapide. Oui, c'est ce que. Voilà, je sais plus quel bled, mais je me suis dit, c'est peut-être pas. C'est peut-être mieux. Je l'ai pas fait d'ailleurs.
parce que ça fait quand même une petite trotte. Hein. Ah ouais, c'est ah une ouais, entreprise qui est pas en centre-ville. Hein. C'est un peu. C'est clair. Ils embêtent, t'es comme ça, ils arrivent. Au début de Rotrock, il y avait, c'était vraiment que dans les villes, mais là. Mais je suis à perpète, moi c'est dingue. Allez, moi je suis en chemin, j'ai 2 heures de route quand même, hein. Punaise. Ah ouais? Ah oui, bah ouais. Oh punaise, j'ai pas pris le plus simple, hein, j'ai l'impression. Mais l'autre c'était pire. Mmh. On peut couper si ça fait trop long, on coupe et puis on reprend. Ouais, ouais, je vais voir, je vais voir. Cool, on prend la vidéo quand on démarre, c'est cool. Invisible. Ah mince. Ah ben je suis coincé. Alors l'antipatinage, ah, c'est possible? Oh je pense que oui. Il faudra le s'en servir d'ailleurs l'épisode 150. Je suis calé là ou quoi? Ah oui. Ben c'est pas sûr que je m'en sorte. Hein. Ben je vais peut-être essayer de te pousser. Si je peux. Ah bah là, je suis pas sûr. Si ça y est, je suis parti. C'est bon. On enlève le différentiel. Hop là. Allez, on repart. Je suis où je suis. Ah oui, à vouloir jaunifier n'importe quoi. Hop, hop. Jaunification. Ah, laisse-moi passer toi. Oh punaise. Des fois on veut jaunifier, mais oh là là, c'est compliqué. Le jeu te génère 150 véhicules, c'est clair. Ouais, allez, est-ce que j'arrive? Oui, j'ai l'air d'arriver, pas mal. Allez, Maryse Coton, parfait. J'espère que en délai, je suis pas mauvais, parce que je se trouve la cargaison n'est plus là. Enfin bon, on est chez Maryse Coton, donc il y a de fortes chances qu'on trouve des trucs de coton, hein, quand même. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est oui, bizarre oui. Qu'on n'en trouve pas. graines de coton, voilà, chargeuse, voilà, graines de coton jusqu'à Waco, Texas. Allez, c'est parti, prendre la mission. Passe. Allez, je suis à moins d'une heure, j'arrive. Allez, hop, moi, je vais récupérer la cargaison d'Acoton, High Coton. Plein de champs de coton autour. Voilà, normalement on peut pas vous planter. Hein. Si j'ai chez Maryse Coton, il y aura forcément du coton. Alors, c'est quoi ce truc? Ah, mais c'est un cimetière. Okay. Est-ce que je peux me balader dans le cimetière avec mon camion? Écoutez, c'est pas très respectueux ce que je vais faire. Ouais, c'est pas grave. On dira rien. Bon, bah, je peux pas le faire, il y a une barrière. Donc ça marche pas, mais je peux penser, j'ai ma remorque, puisque je peux pas trop faire n'importe quoi. En tout cas, c'est pas un lieu historique, hein. Rien à faire.
Allez, on va étudier la carte, les amis, par où on passe. Tu as 20 miles de prendre la remorque, ouais, ça va. On va voir si on peut passer par ailleurs pour jaunifier un petit peu. J'ai arrêté de prendre un café parce que j'étais en train de bailler. On va faire ça, du coup on va faire celle-là ici. Parfait, ça nous fera faire pas mal de jaunification. Du coup on va faire passer par là. Ça nous fait du jaune, toujours pareil. Ici, on va passer là. Tac. On peut passer par là. Et là, on va rester tout droit. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, on peut passer par là aussi. Là, on l'a fait. On peut passer par là. Oula, mais ça nous fait un paquet de détours, là. Mais c'est pas grave. Hop, hop. Et on viendra ici. Bon, bah allez, super. Moi, j'ai fait le trajet. Oh, il y a un petit passage secret en plus, ici. À Waco. Et bah, c'est top. Bon, allez. T'as pris une remorque. Ouais, j'ai pris une remorque. Du coup, je vais te laisser la récupérer. Ouais. Ce qu'on va faire, les amis, nous, on va se mettre off. On va couper un petit peu. Puis, on retrouve à la fin. Parce que c'est vrai que ça fait déjà 45 minutes. Hein, et puis, tranquille. On vous récupère pour la fin des aventures. Pour valider le... Ouais, pour valider. Pour le succès, c'est cool. C'est allez, cool, c'est cool. Allez, à tout de suite. Les amis. Bon, ça y est, on est de retour, on est presque arrivé. Je vais pas vous dire que le trajet était tranquille, ce serait pas vrai hein, du tout ça. Allez, pas bien. Allez, on va tourner là. Il a fallu qu'on fasse quelques réparations, bien entendu, vous en doutez. Hein. Mais normalement, on n'est pas loin, logiquement. Bon, il y a du monde, je vais être obligé de m'arrêter. Non, c'est bon. Allez. On arrive à Waco Minou de soupe. Pourquoi pas, moi aussi je peux en faire une bien vieille. Elle est bonne, elle est bonne, on la garde. Elle est chaude en plus. Elle est instantanée. Les gars, là c'est pas possible de monopoliser la route comme ça. Eh, mais c'est limité à 40 quand même. Ah bon? Ah mince. Ah oui? Oh, je suppose, je m'en rends pas compte. Non, j'en ai marre. Je suis fini toujours sur le côté, c'est pas possible. Comment on fait dans ces cas-là? Aïe. Il y a une grosse bouse étalée sur la route. Ah, c'est vrai, c'est moi. Bah oui, recule toi là-bas, mais donc... Aïe. Bon, bah, bien décidément, on va les appeler souvent, les services d'urgence ici. Mais bon, je bloque la circulation, j'ai mis des warnings, j'ai mis gyrophares, c'est bon. Hésite pas. T'es blessé? Non, je devrais pas aller trop loin normalement, hein. Je pense que je dois pas être bien loin du garage. Je suis blessé, oui, je suis blessé dans mon amour propre. Ah, peut-être falloir que je fasse quelque chose pour cette stabilisation de remorque parce que. Ça ouais, parce que là, mais c'est rigolo, mais c'est bien quoi. C'est marrant, mais moins de virages. Ouais, faut faire vachement gaffe. Du coup, je suis où? Ouais, je suis peut-être pas très loin en fait. Attendez, il faut peut-être que je répare, je suis là, je suis bête. Hop. Bon, je vous dis pas, je pense que la cargaison, elle a bien dû ramasser. Après, c'est du coton, j'ai envie de dire, normalement. Ah oui, normalement, ça craint rien, t'as raison. C'est pas comme les pots de fleurs de l'autre fois. Ouais, je suis quand même à 26% sur la remorque, 3% sur la cargaison. Ils vont 3% pas aimer. Ça va, 3%, ouais, tu perdras un peu, mais c'est pas catastrophique. À chaque combien? 31 minutes, ouais, je suis pas très loin. Je suis pas très loin normalement. Oh bah oui, ça va me permettre de mettre un peu de jaune dans le coin. C'est pas plus mal. Là, je peux pas tourner. Oh bah il y avait un garage là aussi. J'aurais pu le jaunifier. Bon, c'est pas grave. On reviendra à C4.
T'as livré toi ou pas encore? Je suis en train là, okay. Je suis en train de prendre le petit chemin. Alors tu me diras si ça valide bien un truc Steam. Ouais, exact. Déjà. Moi je suis à 0 sur le camion, 0 sur la remorque, 0 sur la marchandise, tout va bien. C'est à noter parce que c'est pas toujours le cas, hein. Loin de là. Bah oui. Allez, j'arrive au virage qui m'a été fatal tout à l'heure. Bon, ça c'est tout droit, donc ça devrait moins de fatal. Je pense que ça va passer. On s'en fout un peu. Allez, laissez-moi passer. Oh là, la police, non, c'est bon. Je vais ramasser là. Non, c'est bon. Ah ! Nom de Dieu. Ah non, 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 non. Non, reste avec moi. Oh là là, ça vaudra le coup d'œil, mes amis. Le replay, je vous le dis pas. Ça balance, ça swing dans tous les sens. J'ai cru que j'allais finir à l'envers encore une fois. Mais c'est passé. Ah, j'ai Fermela et Fleur de Coton. Deux à la fois, cool. Ouais, Fermela, je suis à 3 sur 10, lesquels je sais pas. Et Fleur de Coton, je suis à 1 sur 10. Ouais, donc tu vois, il y a de quoi faire. Ouais. On va pouvoir en faire un bon paquet. Livraison des fermes et livraison du coton. Alors, hop, c'est par là. Ah, t'as des fermes agricoles, c'est ça? Ouais, livraison des fermes. Ah, cool. Donc ça nous en valide. Là, par contre, ça nous a bien validé deux succès d'un coup. Bien, oui, hein. Oui. Comme c'est deux succès différents, ça a bien voulu nous valider deux succès. Allez, t'as un petit passage secret, je sais pas si tu l'avais fait. Oui, en face, tout à fait, voilà, je l'ai fait. Ouais, fait. Hop, allez, moi j'arrive aussi. Enfin. Oh, j'ai tangué là sur la dernière ligne droite. J'ai cru que j'allais finir sur le côté encore. Ah ouais, j'irai voir ça. Ouais. Oh là là. Allez, moi aussi je valide. Allez, je vais au moins me prendre 15 XP pour garer la remorque quand même, parce que je pense que je vais peut-être pas faire le fier. Allez, on regarde ça, les amis. Qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va me coûter, cette histoire? J'en valise bien deux, moi. 4 sur 10 et 3 sur 10. Ok. Super. Je me prends 104 XP de pénalité, 1800$. Oh, c'est pas non plus énorme. Hein. Ça va. Y a pire. C'est satisfaisant comme livraison. Si en plus ils sont contents. Ouais, ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. J'ai pas fait. Ah, mais j'étais un petit peu trop vite. On est ici à la ferme. Qu'est-ce qu'ils me proposent, le brave gars là? Ils me proposent pas des trucs en coton à tout hasard. Je pense pas. Malheureux. Bon, y a pas. Bon bah c'est pas grave. Bon allez, bon en tout cas nous on va clôturer sur ça pour cette fin, mon cher Marcus. Et on se retrouvera la semaine prochaine. On va essayer de continuer un petit peu sur le coton. Voilà. N'hésitez pas les amis, le petit pouce bleu si vous aimez nos aventures à la con où on s'éclate en tout cas avec Marcus, ça c'est clair. Et puis bah Marcus, merci. Puis tu vois, je vais le mettre en intitulé nouveauté Arkansas. Ça va surprendre tout le monde. Visite de l'Arkansas. Alors, en tout cas, merci encore une nouvelle fois à toi. Et puis bah écoute, on se retrouve nous. N'oubliez pas hein, vendredi pour le quatrième épisode de la compète. On a des retransmissions aussi FRN qui arrivent, bien entendu. Je dis non vendredi. Non, ce sera peut-être la fin, cinquième. J'ai une bêtise, ça sera la fin, logiquement. Là-dessus. Et puis ben merci Marcus. Ben, merci à vous. Bonne semaine et à la semaine prochaine pour la suite du coton. Allez, bye bye à tous. Salut, bye bye.